quand tu prends la droite, au lieu de prendre la gauche, et ben tu te retrouves à faire une piste de merde. Voilà. En mode beer grill. Allez, on va se péter la gueule. Ouais. Ah, bon drive. Voilà. Normalement, je suis sur le bon ce coup-ci. Quand quelques arbres sont tombés en travers du chemin, ça va me péter ma moyenne, ça. Donc en fait, le chemin était tellement jonché d'arbres couchés, je pouvais plus courir. Donc bah, j'ai choisi de prendre une ravine qui, au final, est moins encombrée. C'est un peu la jungle, hein. C'est la nature. Comme ça, vous avez l'impression de faire du sport avec moi dans votre canapé. Il n'y a pas de solution, il y a des problèmes. Ça fait du bien. Bon, je suis toujours dans le vallon, comme vous voyez. J'ai quand même essayé de rattraper le chemin en sortant là. C'est pas trop haut. Ça a l'air d'être pratiqué par les petits animaux. Parce que ça m'emmène pas... Temps 1h19min49s. Distance 7,89 km. Vitesse moyenne 5,93 km par heure. Vitesse actuelle 4,14 km par heure. Donc c'est ce que je disais, ça m'a niqué ma moyenne, hein, voilà. C'est pas grave, on s'amuse. Donc voilà, je disais, donc je vais essayer de ressortir par là. Donc je sais pas si je vous fais voir ou pas. Ouais, c'est encore pire. Bon. Bah je vais essayer de monter en gardant le téléphone à la main. Allez, en mode Indiana Jones. Et ça va pas être facile. Faites pas vos malins, hein. Yes, petite racine. Mais ça monte quand même bien raide, hein. Un peu de respect. Voilà. Bon, le chemin doit être quelque part par là. Je vous lèche. Voilà le chemin. On l'a retrouvé. Bon, bah, faut courir. Bon, bah, voilà. De retour au bercail. Donc, comme vous pouvez le voir, j'en ai un petit peu chié, mais je saurais trop vous conseiller d'en faire autant, même si vous n'avez pas l'habitude. D'habitude, vous sortez, vous marchez, et là on bouge pas. Autant pour le psychologique que pour votre physique, je vous conseille vraiment de au moins faire de la marche rapide. Vous avez le droit à 1 heure par jour, profitez-en. Tous les jours, vous sortez 1 heure, vous faites votre petite attestation, et puis hop, vous sortez. Vous courez, vous marchez. Mais restez pas à rien faire. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre l'escalier. Moi, j'ai 5 étages. Bah, depuis le confinement, je prends plus l'ascenseur. Je prends que l'escalier. Voilà. Ça me fait un minimum d'exercice physique.
dans la journée si je sors pas, ce qui est quand même relativement rare. J'essaie de sortir un petit peu tous les jours, voilà. Et puis paniquez pas, vous n'allez pas mourir. Il faut juste être prudent, voilà, pour respecter les distances de sécurité et tout se passera bien. Allez, sortez courir.